Les vendeuses d'arachides au fond de Tietier ont apporté une touche d'innovation dans leur secteur d'activité. Il s'agit de la vente d'arachides torréfiés à la clientèle, question d'alléger son travail domestique, comme nous l'indique cette vendeuse. Nos mamans qui ont commencé ce travail de pâte d'arachide ont cette facilité pour faire leur travail parce que la chaleur de tous les jours leur donne la tension. Elles préfèrent acheter l'arachide grillé. Ici, elles s'assoient en attendant que ces arachides soient libérés de leur pellicule. Une fois le travail terminé, elles peuvent aller écraser pour en faire la pâte d'arachide. Cette technique venue du Cameroun a-t-on appris des vendeuses et pratiquée dans nos marchés il y a quelques années par les Congolaises qui ont constaté ce besoin s'exprimer auprès de la clientèle. La motivation est qu'une personne qui revenait de Brazzaville avec sa petite machine à torréfier, quand elle vendait son arachide, était plus achetée par la clientèle. Voilà pourquoi nous avons adopté cette technique, parce que le client était plus motivé à acheter l'arachide grillé au lieu des graines fraîches pour éviter le travail supplémentaire à faire à la maison. Le travail de torréfaction est réalisé à l'aide d'un dispositif artisanal capable de torréfier 5 à 10 sacs par jour, moyennant 4 500 le sac. Ce Congolais rencontré pense que les femmes doivent s'arrimer au changement du monde. Le monde évolue, et quand le monde évolue, il faut. Ça peut évoluer dans un sens positif, comme cela peut évoluer dans un sens négatif. Mais en ce qui nous concerne, je crois que c'est un sens positif, du fait que. Le travail de la femme est allégé, correctement allégé, puisque elle ne s'emmerde plus à aller griller l'arachide. Même en ce qui concerne les décoctions, il y a des machines qui décoquent l'arachide. Et puis, quand la femme arrive sur les lieux, il y a déjà de l'arachide déjà grillé sur place. Et quand vous arrivez sur le marché, ce qui est grillé et ce qui n'est pas grillé a le même prix. Le choix est clair puisque c'est le même prix. Signalons qu'à travers cette méthode, le travail des vendeuses de pâtes d'arachide s'est allégé, de même s'est réduit le temps de torréfaction des graines d'arachide.